Au fond, tu voudrais être libre. Quand la joie te touche. Bonjour les amis, comment allez-vous? Vivez-vous libre aujourd'hui, au-delà des sentiers battus? Avez-vous eu un choc dans votre vie? Quelque chose qui vous a fait prendre conscience que les choses peuvent être vues sous un autre angle, avec une perception qui dépasse l'entendement. Peut-être êtes-vous dans cette situation où vos discours, la manière dont vous parlez, ne sont plus tellement acceptés par votre famille, par votre entourage, par la société. Et peut-être malgré ça, vous êtes sur la bonne voie et que vous ne le savez pas. Eh bien, c'est quelque chose qu'on a vécu, ici même avec Guy déjà, et on en a parlé maintes et maintes fois, et aujourd'hui ne sera qu'une fois de plus. Bonjour Fazad. Bonjour Guy. On a l'habitude de parler ensemble, mais on ne va pas par quatre chemins. On se dévie de toute illusion. Parce qu'on sait que l'illusion, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour l'esprit, parce que l'esprit reste coincé là-dedans. Et il se croit être ce qui est dit dans l'illusion. Parce que toute illusion dans ce monde, c'est justement ce que tu aimerais. L'illusion, c'est ce que tu aimerais être, c'est ce que tu aimerais faire, c'est ce que tu aimerais vivre, en fait. Tout ça, c'est de l'illusion. Mais l'illusion peut s'en aller quand il n'y a plus ce que tu aimerais vivre, ce que tu aimerais faire, ce que tu aimerais être. L'illusion, elle est partie quand tu es ce que tu es, pas ce que tu aimerais. Parce que tout ça, c'est des choses qui vont nous emmener à avoir une vie qui est basée non pas sur la réalité, mais sur quelque chose que tu désires. Et désirer, c'est justement le problème de toute l'humanité. Désirer d'être dans un autre état. Par exemple, je suis en colère, ben je désire d'être dans un autre état. Tu vois, quelqu'un qui m'a fait une crasse, et je suis en colère contre lui, tu vois. Cet état-là, je veux pas. Je veux avoir un autre état. Parce que cet état-là nous fait souffrir, tu vois. Mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire. On va chercher dans l'autre. On lui dit, écoute, si tu t'excuses, je me sentirai mieux. Donc, tu penses que le bonheur, ton état, ton mieux-être, va venir de celui qui va s'excuser. Mais moi, je dis que ton mieux-être va venir quand la colère en toi sera réglée par toi-même. Parce que cette émotion que tu as de l'autre, eh ben, c'est toi qui le vis. Et il faut que tu comprennes ce que tu vis. Parce que ce que tu vis, c'est tout ce que tu vis, c'est toi. C'est ce qui se passe en toi. C'est un mouvement, un phénomène qui agit sur ta psyché. Et ta psyché réagit à tous ces événements. Tu vois ? Et ça fait que quand tu es dans cet état de réaction, eh ben tu es capable d'être mesquin envers les autres parce que tu cherches un échappatoire pour ne pas vivre ça. Donc tu risques d'être très méchant. Tu vois ? Et c'est ce qui se passe dans notre monde, c'est que nous avons des émotions qui sont libres et qui sont déchaînées des fois. Tu vois, la colère, la jalousie, tout ça, ça nous fait nous déchaîner parce qu'on accuse quelqu'un. Et on ne va pas voir en soi comment on peut régler le problème de nous-mêmes. Et c'est nous qu'il faut régler. C'est pas le monde. Le monde, il est comme il est. Il faut pas essayer de changer le monde, ni personne d'ailleurs. Il faut se changer soi. Se changer soi. Changer ce qui se passe en soi. Et si tu changes ce qui se passe en toi, ben, probablement, peut-être, autour de toi, tu vas réagir avec les choses différemment. Tu ne réagiras pas selon la colère, avec de la colère. Tu ne répondras pas. Par quel moyen, par quel sentier changer ? Ben, changer, tu vois, c'est ça. C'est que le changement ne vient pas parce que tu veux. Tu vois, le changement vient quand tu réalises que ce que tu es te fait souffrir. Ok ? Et quand tu réalises comment tu souffres, pour quelles raisons tu souffres, c'est parce que tu ne sais pas contrôler tes émotions, tu vois ?
eh bien, tu réalises aussi que tu es pris dans un cercle vicieux. Et à chaque fois que tu auras cette émotion, que quelqu'un va te dire quelque chose qui te dérange, eh bien, tu vas toujours réagir de la même manière parce que c'est la seule chose que tu connais. Notre société, elle est basée là-dessus. Elle te dit, si quelqu'un te donne un coup de poing, ben, tu rends un coup de poing. Si quelqu'un te vole de l'argent, ben, tu vas le voir au tribunal. Tu vois ? Et donc, on est dans les mœurs de notre société. C'est de faire en sorte que nous répétons toujours les mêmes références que nous avons pour nous sortir d'affaires. Et effectivement, ça nous sort d'affaires pendant un petit moment. On n'est pas impacté par la violence de la colère qu'on a, mais on est impacté par une espèce de soulagement, tu vois. Mais aussitôt qu'il y aura une autre situation qui viendra, eh ben, ce sera toujours la même chose. Tu vas souffrir de tes émotions. Donc, changer, c'est pas à toi de voir si, comment changer. C'est pas ça. Il y a le comment changer, c'est peut-être pas la bonne démarche. Mais voir ce que tu vis peut t'emmener à un changement. Est-ce que ce que je vis peut me mener à un changement ? Oui. Ce que je vis là maintenant peut-il me mener à un changement ? Bien sûr. Ce serait la bonne question, ça ? Bien sûr, bien sûr. Parce que, si je vis une séparation, si je vis une faillite, si je vis un échec, oui. Comment cela peut me mener à un changement ? Est-ce que cela... Oui. Peut me mener à un changement. C'est ça la question ? Voilà, voilà. C'est-à-dire que quand tu vis ça, quand tu vis, tu passes à travers l'événement. Mm-hmm. Tu vois ? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas traverser l'événement. Ils veulent que l'événement ne soit pas là, qu'il soit différent. Et donc, leurs têtes vont à 100 000 à l'heure pour pouvoir rebondir, pour pouvoir changer la situation, pour ne pas rester dans cet état où il y a une douleur. Tu vois ? Mais moi, je crois que ce que tu vis là, il est à être expérimenté. Donc, la réponse à la question « Est-ce que ce que je vis maintenant est source de changement ?» est oui. Ben, bien sûr, bien sûr. Mais encore faut-il que tu le vives, que tu comprennes qu'il ne faut pas le fuir. Il ne faut pas essayer d'éradiquer la situation que tu vis. Il ne faut pas essayer de vivre quelque chose d'autre pour ne pas avoir l'impact de ce que tu vis. Est-ce que cela que je vis maintenant est source de changement dans ma vie ? Oui, à condition que je le vive pleinement. Exactement. Alors, pleinement. Qu'est-ce que c'est que vivre cela pleinement ? Alors, comme je te disais tout à l'heure, prenons l'exemple de celui qui... Quelqu'un t'a mis en colère. Parce que tu as une entreprise et il ne t'a pas payé. Tu peux être très en colère. Tu oui, peux même aller jusqu'au tribunal et puis faire toute une histoire, tu sais. Oui, j'ai un ami qui a perdu 5 entreprises comme ça, qui ont été mis en faillite et repris pour 1 euro symbolique. Ouais. Il est très en colère, il a créé une association pour clamer sa colère et demander justice. Voilà, donc là, tu es en train de fuir. Ok ? Parce que là, tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train d'essayer de combattre ce qui est le mouvement intérieur... de la souffrance que tu vis, tu n'es pas en train de le vivre. Tu es en train d'essayer de le contrôler, le fuir, pour pouvoir qu'il soit éradiqué. Pour l'extérioriser dans une vengeance ou dans une justice. Justice soit faite. Que justice soit faite. Voilà. C'est ça l'idée, que justice soit faite. Voilà. Ouais. Mais dans cette idée-là, on ne vit pas cela. On ne vit pas... Ouais. La vie pleinement. Et justice sera faite à qui ? Selon toi. Justice est faite à celui qui veut récupérer ses 5 entreprises. C'est ça. Ramener ben, les gens qui étaient employés. Voilà. Recouvrer l'honneur des Réunionnais. Exactement. Et retrouver son image, sa posture. Retrouver sa posture d'antan. C'est vrai qu'il avait une belle posture. Ouais. Voilà. Et tu vois, tout ça... Mais du coup, on doit laisser perdurer l'injustice, tu dis ? Non, non, mais l'injustice... Quelqu'un vient nous voler, on lui dit « vole-moi ». Moi, si quelqu'un vient me voler des sous chez moi, enfin, qui veut ici, moi, je me défendrai, bien sûr. Ouais. Tu sais... Mais comment ça se passe ? L'intelligence... Le vivre pleinement, est-ce que c'est laisser l'injustice perdurer et être enterré et être mis dans la pauvreté et dans la misère ? Ou est-ce que le vivre pleinement, dedans, il y a aussi se défendre, il y a aussi créer cette association pour aller... Non.
avoir justice. Alors cette association, tous les mouvements, toutes les actions qu'on fait pour pouvoir contrôler les choses autour de soi, eh bien, c'est justement le moteur même de la société qui a créé tout ça. C'est-à-dire ce qui l'a mis dans la misère, c'est par ces mêmes outils et ce même programme qu'il veut récupérer à ce qu'il avait avant. Exactement. Donc même s'il le récupère, lui-même, il est possible qu'il reproduise les mêmes choses demain. Bien sûr. Tout est dans un cercle vicieux, une roue qui ne s'arrête jamais. Mais qu'est-ce qui fait que le plus riche s'enrichit et les plus pauvres s'appauvrissent? Et on laisse faire ça? Comment on fait? Par contre, dis-toi bien que le plus pauvre, il est heureux, mais le riche, il est malheureux. Tu vois? Et c'est là tout le plaisir qu'on a dans la vie, c'est d'avoir du plaisir. Mais la vie, c'est pas du plaisir. Donc sa réalisation ne serait pas le fait d'avoir des entreprises, mais de perdre ce qu'il a pour être soi. Pour vivre la vie qu'il aimerait. Mais pas la vie qu'il aimerait, mais pour la vivre vie qu'il est. Ce qu'il est. Donc la vie l'a invité à perdre ses 5 entreprises pour comprendre qui il est. Et c'est ça qu'il y a à vivre. Pour lui, qu'est-ce qu'il y a à vivre là dans ça? Parce que moi, quand je le vois, c'est une telle douleur à chaque fois. J'écoute ses témoignages. C'est vraiment de la douleur, c'est de la souffrance, bien sûr. De l'injustice. C'est des choses que beaucoup de Réunionnais comprennent aussi. Et en fait, qu'est-ce que la vie? Donc, l'hypothèse qu'on a là, c'est la vie. Est-ce que ce que je vis peut me mener à un changement peut mener à un changement si je le vis pleinement, d'accord? Qu'est-ce que la vie est en train de lui montrer à ce bonhomme? Ben, la vie peut-être est en train de nous montrer à tous, parce que c'est pas seulement ce jeune homme. C'est pas juste lui en fait. Oui, tu sais, c'est toute situation dans ton divorce, dans ton avec ton enfant qui prend de la drogue, tu es pas content, tu es en colère et tout ça. Tu sais, il y a plein de situations. Tu sais, et toutes ces situations qu'on vit nous fait souffrir parce que on ne veut pas les choses qui arrivent devant nous, comme la mort. La mort, quand elle arrive, personne ne veut la voir. Tu vois, on veut esquiver la mort. Tu vois, pourtant, la vie nous apprend que tout doit commencer et tout doit finir. Ok, donc ton entreprise, qu'elle commence et qu'elle finit, la vie est en train de te montrer que tu ne peux pas tout le temps rester dans cette situation qui s'appelle l'habitude et le train-train. Nous avons fait de la vie des habitudes et des train-trains. Mais la vie te montre qu'elle n'est pas une habitude, n'est pas un train-train. Peut-être qu'il y a d'autres choses à découvrir. Mais toi, tu es resté là-dedans parce que tu as de la sécurité et tu crois que c'est ça la vie. La vie, c'est pas la sécurité. Il n'y a pas de sécurité dans la vie. Parce qu'il faut mourir. Tout mourra. Et un jour, finalement, ton corps aussi va mourir. Donc si tu t'attaches à toutes ces choses-là, ben, c'est comme si tu t'attachais à une illusion. Et la vie, elle veut te montrer ça. Elle veut te montrer que tout ce que tu vis, tu vois, et que quand tu veux garder tout ça, quand tu veux garder l'illusion, eh ben, tu crées un monde qui ressemble à une illusion. Et quand tu dis que le monde va mal, qu'il est en guerre et tout ça, pourquoi? Parce que nous voulons garder ce style de vie. Nous voulons perpétuer la même chose. Et cette chose est en train de nous tuer, est en train de nous détruire. Le pire ennemi sur la planète, c'est nous-mêmes. Donc, tu vois, pour sortir de ça, il faut déjà comprendre que ton esprit n'est pas libre. Et dans cette liberté, eh ben, tu vas faire quelque chose. Parce que ça veut pas dire, parce que la vie, c'est un mouvement, tout le temps en action. Il y a tout le temps de l'action dans la vie. Mais l'action que nous avons, c'est l'action conçue par la peur qui nous fait rentrer dans les habitudes. Mais l'action qui n'a pas de peur dedans, eh ben, elle va nous emmener dans une action qui n'a rien à voir dans l'intérêt. Elle est pour tous. Tu vois? Et c'est comme ça que peut-être, quand tu es libre, quand tu as changé, quand tu as accepté que les choses t'arrivaient et que tu as arrêté de souffrir, eh bien que tu peux enfin faire quelque chose pour que ta vie soit harmonieuse. Autrement, elle ne sera jamais harmonieuse. Tu seras toujours en dualité de vouloir mettre les choses en place que tu avais perdues. C'est-à-dire que ton intérêt personnel, à ce moment-là, là où tu es libre, s'étend à un plus large spectre, à un plus large public, voire même au monde entier. C'est-à-dire que tu t'éloignes de toi, l'esprit s'éloigne, il devient témoin de toi, puis de deux, puis de trois, il regarde le monde entier après.
Et tu vois, c'est cette action qui va se faire à ce moment-là, qui sera profitable à tous. Mais tant que tu es dans ton petit monde à toi, toute action-là, elle est faite avec la peur de ne pas pouvoir être ce que tu es. Dans la limite du beefsteak que tu défends. Exactement. Tu le défends de ta part. Donc ce qu'il y aurait à découvrir pour mon ami qui est en proie à cette injustice féroce, parce que 5 entreprises, c'est pas rien quand même, c'est de découvrir que les choses commencent et finissent, il y a un début et une fin. Et d'accepter, surtout d'accepter. Parce que tu vois, si on n'accepte pas ça, ça veut dire que tu vas combattre. Et ce combat va faire exister toujours la même chose. Parce qu'il va peut-être réussir en combattant, à remettre en place. Et bien, dans 5 ans, dans 2 ans... Peut-être. Dans cette réussite, il y aura une autre épreuve. Exactement. Pour retester la même chose, parce que la vie l'aime. Parce qu'il n'a pas compris. Voilà, pour qu'il comprenne. Voilà. Donc, mais la vie fait ça tout le temps. Tout le temps, elle fait ça. Et depuis combien de temps? Depuis Jules César, depuis les pharaons d'Égypte. Tout a basculé à un moment. Et tout le monde a dit, oh, c'est pas possible, faut pas faire ça. Alors qu'ils étaient extrêmement puissants. Oui. On pensait Rome indestructible. Oui. Et pourtant, elle a été détruite. Et oui. Et c'est ce qui est en train de se passer avec notre civilisation. Parce que nous croyons que nous sommes en sécurité. Avec tous nos gadgets. Donc, dans un premier temps, la vie lui a fait ça. Cela, s'il le vit vraiment, et qu'il dit oui, ce que je vis là est source de changement dans ma vie, oui, je suis prêt à le vivre pleinement. La vie lui montre alors qu'il y a un début et une fin, que je n'aimerais pas recontinuer, remettre l'argent sur la table, etc. Oui, mais comment il fait ça? Et dans un premier temps, c'est ça, et ensuite, le fait de s'éloigner de son intérêt personnel et de le voir dans un sens plus global. Tu disais le fait de faire ça. Tu vois, c'est son désir. En fait, il faut voir comment fonctionne l'être humain. Nous sommes imbibés de pensées. Les pensées, ce sont nos mémoires. Là, tu es en train d'expliquer comment il peut faire ça. Oui, oui. Comment il peut réaliser ce dépassement de lui-même. Parce que tu vois, tout se passe... on peut avoir beaucoup d'explications. Mais quand l'explication devient matérielle... ça devient, on se perd. On perd le sens. Voilà. Alors que je vais te le montrer dans un aspect beaucoup plus psychologique, comment ça marche, ce train où tu vas vers la catastrophe, où tu crées le monde que tu veux, mais c'est pas le monde qu'il y a. Le monde qu'il y a, c'est autre chose. La vie qu'il y a, c'est autre chose. Mais toi, tu es toujours sur ce chemin-là, de vouloir la vie que tu aimerais. Et dans notre esprit, il y a tout ce qu'on a fait avant et qu'on a mémorisé. Donc les pensées, elles sont habituées à répéter les mêmes choses. Tu vois ? C'est quelque chose qui se fait instinctivement, inconsciemment. C'est pour cette raison que c'est pas facile de comprendre. Il faut réaliser que ce qui se passe là, c'est inconscient. C'est de la pensée qui a des schémas tout faits, une directive de pensée qui s'est installée et qui se répète à chaque fois. Et qui lui dit quoi faire et ce qui le mène dans des cul-de-sac et qui le font souffrir. Moi, je le vois physiquement, il souffre, il a mal à la jambe, au genou. Il est en mauvaise santé là aujourd'hui. Tu vois, ça l'a abattu, toutes ces histoires, financièrement aussi. Voilà. Les frais d'avocat, les frais de justice, les nuits à y penser. Aujourd'hui, quand je lui parle, j'ai l'impression que c'est un avocat, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle tout le temps de ses affaires de justice. Il est au tribunal, on dirait qu'il y est tous les jours au tribunal, que les affaires ça le préoccupe beaucoup. Bien sûr. Et tu vois, qu'il a de l'attache. Ouais, il est attaché à son drame. Il veut que justice soit faite. Ouais, il est attaché à son drame. J'ai beaucoup mal pour lui. Je ressens beaucoup de douleur pour lui. Je ressens beaucoup de compassion pour lui. Je l'aime beaucoup. Ouais, ouais. Et c'est la compassion qu'il nous faut avoir. Et le fait de lui dire lâche prise sur ta boîte, ne va pas faire justice, ça me semble inhumain de lui dire ça. Tu vois, tout ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui, Guy, c'est l'écouter parler. Et je peux l'écouter pendant des heures. C'est pour ça que je te dis, tu sais. Mais comment est-ce qu'il peut se sortir de là? Accepter aussi que ça se passe et que tu n'es pas toi le garant du bonheur des autres. Ok? Tu n'y peux rien, ok? C'est comme ça, ça arrive. Quelqu'un est mort, qu'est-ce que tu vas faire?
La seule chose que tu peux faire, c'est être présent avec la personne qui est là et qui souffre. Être présent. Et lui, il pourrait être présent, par exemple, à ces 5 entreprises qui sont mortes? Non, justement, oublier ça. Ouais. Abandonner, ne plus être victime de son drame. Et le vivre pleinement une bonne fois pour toutes et faire autre chose. Pas faire autre chose, juste ne rien faire. Justement, parce que quand il y a ce moment où on veut faire quelque chose d'autre, c'est un échappatoire. Juste, sois là, c'est ok, mais sois témoin. Ne sois pas acteur. Ne sois pas dans le drame, ne sois pas la victime. Sois l'acteur. Sois celui qui regarde, sois le témoin de la chose qui se passe, c'est tout. Et quand tu es témoin, ton intelligence te dit que tout ça, c'est de la bêtise. Tu n'as pas, tu veux pas vivre ça. C'est là seulement que tu es bien guidé. Ben par toi-même. Et il n'y a personne sur la terre qui peut faire ça pour toi. Chacun d'entre nous, quand on a goûté à la vérité, à la beauté de vivre, la beauté d'être là, présent, c'est là qu'on peut comprendre. Mais pas avant. Il faut, tu vois, cette vie, elle est terriblement difficile. Il faut le reconnaître, tu vois. Quand on passe, c'est effectivement, comme tu me dis, on passe à travers des choses, c'est terrible. La souffrance, elle est terrible. Mais elle est terrible, c'est tout simplement parce que tu es ignorant qu'il y a quelque chose de fondamentalement plus important que tout ça. Plus essentiel, plus vaste. Voilà, voilà, plus vaste, plus éternel, tu vois, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et ce monde a un commencement et une fin. Et nous, on s'attache au commencement et on a peur de la fin. Donc, c'est pour ça qu'on souffre, parce qu'on ne veut pas que la fin arrive. Et en abandonnant ce qu'on croit être la fin, en abandonnant ça, eh ben, on commence avec l'éternité. Ça te dirait qu'on prenne ça pour le mot de la fin? Allez, on y va. Chers amis, c'est une fin dont on n'a pas eu peur. C'est la fin d'une saison, la fin d'une émission. Et peut-être cette fin nous mène à ce qui n'a pas de fin, pour vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. Agis comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.